Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de compléter à 10. Donc observez avec moi la bande numérique. Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Il y a des chiffres de 0 à 10. Regardez le chiffre 5. Alors après 5, 6. Après 6, 7. Après 7, 8. Après 8, 9. Après 9, 10. Avant 5, 4, avant 4, 3, avant 3, 2, avant 2, 1, avant 1, 0. Alors regardez avec moi l'exemple et écoutez la question. Colorie en vert les cases manquantes pour obtenir 10. Complète ensuite les étiquettes. Alors regardez la première ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter combien de cases jaunes. Alors, comptez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien? Alors, voilà le chiffre 9. Et combien il en reste? Hein? Il en reste une case. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier cette case avec le vert. Et après, on va écrire le chiffre 1. Et regardez. Alors, toujours le grand chiffre à la tête et le petit chiffre à la main. Alors, 9 à la tête et 1 à la main. 9 plus 1 est égal 10. Regardez la deuxième ligne. Alors, toujours, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter combien de cases orange. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà le chiffre 8. Et combien il en reste? Hein? Il en reste deux cases. Hein? Il en reste, regardez, deux cases. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les deux cases avec le vert. Alors, on va colorier les deux cases. Et après, on va écrire le chiffre 2. Alors, 8 plus 2. Toujours le grand chiffre à la tête et le petit chiffre à la main. Alors, 8 à la tête et 2 à la main. 8, 9, 10. Alors, 8 plus 2 est égal à 10. Regardez la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter combien de cases roses? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le chiffre 7. Et combien il en reste? Ah, il en reste 3, hein, cases. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les 3 cases avec le vert. Alors, 1, 2 et 3. Et après, on va écrire le chiffre 3. Regardez, 7 plus 3 est égal. Alors, 7 à la tête et 3 à la main. 7, 8, 9. 10. Alors 3 plus 7 est égal à 10. Regardez la quatrième ligne. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter combien de cases marron. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le chiffre 6. Et combien il en reste ici? Hein? Il en reste 4 cases. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les 4 cases avec le vert. Alors 1, 2, 3 et 4. Et après, on va écrire le chiffre 4. Alors 6 plus 4, 6 à la tête et 4 à la main. 6, 7, 8, 9, 10. Donc 6 plus 4 est égal à 10. Regardez la cinquième ligne. On va compter combien de cases noires? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le chiffre 5. Combien il en reste? Alors, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5 cases. Qu'est-ce qu'on va faire? On va colorer les 5 cases avec le vert. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
Et après, on va écrire le chiffre 5. Donc 5 plus 5, 5 à la tête et 5 à la main. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 5 plus 5 est égal à 10. Regardez la sixième ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter combien de cases mauves? 1, 2, 3, 4. Voilà le chiffre 4. Et combien il en reste? Alors il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les 6 cases. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on va écrire le chiffre 6. Donc 4 plus 6, c'est égal à 10. Toujours le grand chiffre à la tête et petit chiffre à la main. Regardez la septième ligne. Alors, on va compter combien de cases bleues. 1, 2, 3. Voilà le chiffre 3. Et combien il en reste alors? Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les 7 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on va écrire le chiffre 7. Alors, 3 plus 7 est égal à 10. Regardez la huitième ligne. On va compter combien de cases rouges. Alors, 1, 2. Voilà le chiffre 2. Combien il en reste? Alors, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les 8 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on va écrire le chiffre 8. 2 plus 8 est égal à 10. Et regardez la dernière ligne. On va compter combien de cases noires. Alors, seulement une case. Alors, regardez. Il y a le chiffre 1. Et combien il en reste? Alors, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier les 9 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, on va écrire le chiffre 9. Alors, 1 plus 9 est égal à 10. C'est clair, les enfants? Et voilà, au revoir.